Hello. Lupi non bibe la bilo koya. Bon il a ka bilo koya Etats-Unis. Oni koko ma bona bona bo jeunesse. Mona Etats-Unis. Tata yo ki kole la nabino. Atinde libino. Maman Samira. Ndenge oza la kan Etats-Unis o kole lo kola mutoza na mombele. Lo kola mutoza na ngaba. Merci mon pote. Wow! C'est mon bouche. Bana Etats-Unis. Kolia bio et komi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope na fute mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebi toyo. Che mama Samira, mansom azali. Eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga va bete, bona kozwa bilo kwa detail. Yoka numéro, numéro 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka misia kokauka mongusu mafuta mbila et kokoma lokola bazoka na yo. Yeyo kombone mama Samira makiambae. Plus précisément, la carte de Washington. Malobi, maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Malobi, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Bilo, il y a un gnosso congolais. On y dit, mais qu'on a eu à ça, il s'est ajouté. Bon, la colère, la yo, comme bon, la yo. Bon, la tout, on a eu, comme il y a eu. Bon, comme bon, la yo. Malobi, bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à quoi la machine sinon vous voyez pas y'a sinon vous voyez rien mon commandant n'est pas là dans le teka bio quoi y'a mboka y'a fresh y'a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pour la mon kanja y'a li barobi n'y a pas y'a li et un kouba pani wa barobi en tente y'a li y'a komba kanja y'a li y'a mboto y'a mbise la barobi n'y a pas y'a mboto y'a mboko mboto y'a la gane kala n'gando n'y a la li na basi oye dike na soutou eza kodia na peti kwa mama mbande ya soro kwa bato komprande te mawa bako mwore u alonu u alonu kona kodia na pino moko bako ane ragino kodia na apeti chongo na yo Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro de la semaine. Nous allons parler aujourd'hui du cinéma. C'est vrai que c'est inhabituel, mais on en parle aujourd'hui. Je reçois Chico Ngandou, qui est réalisateur des films depuis 19 ans, avec 5 films réalisés et un film en post-production, je veux dire en cours même de production. Il est porteur d'un projet de la création d'une industrie cinématographique congolaise, en développement et puis le dessin animé, on va dire. Alors, il est notre invité. Avec lui, on va essayer un peu d'en parler, la lingala, la français, pour essayer d'atteindre toutes les couches et voir le bien fondé d'avoir un centre de cinéma. Est-ce important aujourd'hui? C'est quoi le rôle même du cinéma dans un pays, dans un État, dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est important d'en parler? On en parle aujourd'hui avec Chico Ngandou. Chico Ngandou, bonjour. Bonjour, Christian Mosembe. Alors, j'ai vu le on va dire... teaser. Dans mon teaser, voilà. Il y a 13 minutes. Il y a Bomaye, le film au Sala. Alors, je vis Mobutu à l'intérieur. Dans mon Mobutu, dans mon image, il y a Foreman Ali et tout ça. D'abord, au début, il y a un film. Il y a Ali, il y a Foreman. Il y a Ali. Ouais. Alors, pourquoi ce film Bomaye aujourd'hui? En fait, le film n'a s'inspiré de l'histoire de Mohamed Ali, de l'égal de Kinshasa. Et l'idée, c'est de créer un centre, en fait, de cinéma et de l'image animée. Parce que le centre de cinéma, c'est comme un gendarme, par exemple. Mmh. Un gendarme, il y a image, surtout il y a promotion, publicité, il y a RDC à l'étranger. Mais le monde, ils allaient le remplir dans le théâtre, Nzonding. Où il y a peu de professionnalisme, c'est un truc à la va-vite, et tout ça lié, les qui l'ont rapidement, les gens sont derrière la monétisation sur Facebook ou YouTube. Comment tu comptes instaurer cette histoire?
justement, déjà, je félicite la comédienne de la Nzonzing, il y a théâtre Nengolobi, parce qu'ils ont gardé quand même chandelle, il y a cinéma. Mais, il y a des bons techniciens, il y a des bons comédiens ici, bah, congolais, bah, on Nayaki, il y a quelques années pour tournage, j'ai filmé Simon Gimba. Mais comme Naïba était que si un comédien y a bien bazar, un technicien y a bien bazar, Nayaki na mindele, donc il y a qui tient en camba juste pour un tournage. Après, jusque là, le projet est toujours en cours. Mais hormis Banzonding, hormis le théâtre, il y a des très bons comédiens pour le cinéma et il y a des très bons techniciens. Namon a tourné, Namon a déjà filmé, oui, au Talagituzer. Donc si tout va bien, Rubima d'ici là. Mais il faut au gouvernement, parce que c'est un beaucoup pour la création et la santé. Oui, mais alors, pourquoi bah, l'image y a tourné dans le Congo? L'image a tourné, on va dire, na... bon, moi ce n'est pas vraiment l'exemple, mais tout Changoka quand même, Nigérien, aujourd'hui Sud-Africain, et puis Yamindele. Pourquoi t'as toujours... Ivoirien aussi. Oui, Ivoirien aussi. Bon, Ivoirien, moi je trouve que ça me démontre l'habitude. Mais... est-ce qu'il y a vraiment une différence? Pourquoi il y a une différence en fait? Différence? Oui. Na Nigeria par exemple, c'est toujours exemple. La différence en Nigeria, c'est les moyens. Mais non, je parle de la qualité de l'image. Non, mais justement, la qualité de l'image réside dans les moyens. C'est-à-dire, okay, quand il y a les moyens, on met les matos qu'il faut, on met les techniciens qu'il faut, on a besoin d'image et bien. Ceux qui, admettons, on a un producteur qui casque, c'est juste que là, on en a un seul, qui nous a quand même permis de retourner. Et... film ou en post-production, mais ceux qui basent 2, 3, 4, bah, Tchembongo, Christian, je peux vous dire que bon, j'ai l'image où il y a Hollywood. Oui, mais les problèmes à niveau, il y a caméra, tout ça. Problème, dans la caméra, il n'y a pas que caméra. Caméra, lumière, décor, surtout. Décor, il y a un problème dans Paris, par exemple, hein, dans la France, parce que j'habite là-bas. Le gouvernement met les moyens pour favoriser le cinéma. C'est-à-dire quoi? C'est bien que ça ait été regardé, le cinéma français. Et matraté, aujourd'hui, ça commence à prendre un peu de l'ampleur. Non, mais c'est... les Américains mettent l'argent. Oui. C'est là où il y a la différence. Un film est tourné à 1 million, exemple, je donne, à 1 million en France. Aux États-Unis, ils mettent 15-20 millions. Et quand ils mettent 15-20 millions, c'est-à-dire que bah, moyen, bah, bah, décor surtout, tout est mis en place. Bon, tant que vous avez une image, il y a 1 million. Une image à 10 000 dollars encore beaucoup moins. Mm. C'est ça la différence, c'est ça le cinéma. C'est quand il y a une belle image, bah, bah, là, et c'est la promotion du pays en fait. Mais c'est aussi la dans le côté esthétique, le cinéma c'est aussi la beauté. Tout le monde aura un film, il va congolais, ah, t'as des scripts, le bi, la script naïe par exemple, encore qu'il faut qu'elle ait la paix parce que monsieur qu'elle a répété, a combien a dit, ça sera une très belle femme, mais c'est une femme en haut, elle est très belle, ils vont très bon, ok, bon, donc on comprend, d'accord, hein? Non, hein? Mais le problème c'est là où il y a la différence, oui, entre les cinémas, oui, et Maboké. Oui. Parce que Maboké, bah, s'orientera plus vers le théâtre avec des maquillages et tout ça. Mais dans le cinéma, quand on dit une très belle femme, ça doit être une très belle femme. Oui, en principe. On n'est pas contre les femmes plus ou moins belles, mais le problème, c'est qu'il faut accoter un personnage. Oui. Quand le personnage dit une très belle femme, ça doit... Est-ce que c'est l'argent aussi qui compte? Aussi, parce qu'il, ouais, faut trouver cette belle femme en question. Non seulement il faut la trouver, il faut la payer. Il faut la payer. Il faut la, ouais, payer. Bon, la plus ou moins belle, ouais, elle coûte peut-être moins cher que la plus belle. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Le cinéma, c'est un rêve. Donc, tu as besoin d'esprit, tu as besoin d'esprit. Tu as faire rêver Moutou, tu as besoin de. Par contre, tu as besoin rêver Moutou, tu as besoin de baignoire dorée, tout ça, jacuzzi. Ouais. Tout ça, on a rêvé qu'il n'y a plus de jacuzzi, qu'il n'y a qu'il n'y a tout ça, je vais me banaliser. Alors, mais aujourd'hui, par exemple, le cinéma au niveau africain, est-ce que, parce qu'en regardant le cinéma africain, il y a 15 ans, le Nigeria avait pris une certaine ampleur en termes de qualité d'image, en termes de tout ça, mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression, je suis un professionnel de domaine en haut, j'ai comme l'impression que l'Afrique du Sud commence à prendre un peu de l'avance sur les autres pays africains. Justement, c'est exactement la question à moyen. Okay. Ceux qui vont percevoir ce moyen, Christian, je vous dis qu'on fera, je ne dirais pas pour ne pas être prétentieux, qu'on fera plus, mais tu as raison, on a un peu de temps. Tu as raison, on a Nigeria même, mais à la guité. Oui, bien sûr. Donc, la vie est belle et tout le reste. Côte d'Ivoire, mais c'est ça le problème aussi. Au moins, il y a une référence à la vie est belle. Mais c'est fait depuis quand? Ouais, depuis très longtemps. Mais il y a eu d'autres films derrière La vie est belle, ils n'ont même pas connu.
comme des vrais films, papa m'a tourné à Kina. Oui, bien, on non, pas du tout. Hein. Tandis que ils ont tourné par des Congolais. Mm. C'est un très bon film. Mais, Moutoumou, oui, bien, on était passé. Comment Moutoua dépenser, admettons, 10 000, 15 000, voire 20 000 dollars, n'est-ce pas? Pour faire ça, la film. Mais maintenant, pour il est dans la TV, il faut foutre son mot. Mm. La personne dit non. Je garde mon film. Moi, je suis au poulet pour de l'angaï parce que dans la salle, il y a un peu de le problème, il est là. Donc, il faut, avec la création du centre de cinéma, c'est un gendarme qu'on mettra en place. C'est tout ce que j'ai dit, je n'invente pas la roue, quoi. La roue a déjà été inventée. C'est ce qui se passe ailleurs. En France, par exemple, ceux qui filment aux États-Unis, aux Chine, aux Japon, avant, ils regardent le cinéma. C'est le centre qui regarde le film. Il faut que ça rentre dans le mers français. Il faut qu'il respecte la norme et la culture française avant de regarder. Et puis, parce qu'on a un visa numéroté. Sauf qu'il y a un cinéma, au moins, on a un visa numéro. Et où il y a un scène. Ah, c'est pourquoi on avait cassé le film à Tyler Perry, par exemple. Voilà. Avec la France, et les gâtés. Voilà, et les gâtés. Avec raciste et tout ça. Tout à fait. Okay. Il y a même une, même Malcolm X, catégorie version, pour ça, la version française, parce qu'il y avait trop de propos. Il y a Malam Mingide. Donc, c'est ça qu'on demande au gouvernement, par exemple. On ne demande pas l'argent. Il n'y en a pas. En faisant quoi exactement? Qu'est-ce que l'État peut faire de façon pratique? Il faut juste que le président signe l'ordonnance de la création du Centre national de cinéma et de l'image animée. Après, Bacha DG Nabango, PDG Nabango, DG Nabango, tout ça, nous, on va prendre juste les techniques. On prend les techniques. Par an, on doit sortir au moins 5 films. Quand je dis des films, ma boquette. Hein, vraiment, je suis pas contre ma bokeh, mais, franchement, parce que, pesa domaine, en gros. Pesa domaine, mais on a filmé. Des longs métrages. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, Chico. Comment voulez-vous que Mbokanabiso, il a riche en histoire. Mais aucun film, il y a richesse Nabiso historique, voilà, fait par des Congolais, par exemple. Batokoufina Est, on a, ça fait plus de 20 ans que les gens meurent, et il n'y a pas un film sur la question. Mais au moins, on a, par exemple, l'Amérique, bah ça les films Moroboué, il y a beaucoup d'habitants au Congo, bah ça on a Tanzanie, bah ça on a Mali, et on essaie de dire que ça Goma, on essaie de dire que ça Kinshasa et tout ça, alors que Bissau Moro tout ça la capacité au salaire, on a des hommes comme bah Lumumba, bah Kassavubu, maintenant là par exemple Lumumba, dans ça la film on a Patrice Eboué et tout ça, est-ce que ça vous chagrine aussi, vous dites que on peut faire mieux? Oui, on peut faire mieux. J'étais avec Raoul Peck, oui, il me doit réaliser un film Lumumba, on a là il y a un festival à Paris. Ben, il avait amené le projet ici. Amemaï projet, ah ouais, Moutou a financé le projet, producteur à l'aïté. Maintenant, les producteurs, c'est des commerçants, en fait. C'est Moutou Soga Bissimo, on a eu, il attend le retour. Ouais. Donc, dans tout ça, il y a le gouvernement, donc la politique. Oui, il y a tout ça, la politique, il y a le cinéma. Ouais. C'est pour faire la promotion qu'il y a pays, en fait. Avec Riva. Viva Riva, par exemple, mais ça a été coproduit par la francophonie. Oui. Mais notre gouvernement, dans tout ça, il est toujours absent. Ce qui est bien avec Félix, ça je dois le reconnaître, c'est le seul président depuis Kassavubu qui cite au moins cinéma dans sa bouche. Ouais. Au moins dans ses discours, il veut la promotion du cinéma. Toby Begue, c'est pas lui qui va faire les films. C'est à nous de faire les films. Mais on lui demande les moyens, pas les moyens financiers. Mmh. On lui demande les moyens. D'abord par cette ordonnance-là. Il crée le Centre national des cinémas et de l'image animée. Nous, nous sommes là. Vous avez tutelé dans le ministère de la culture. Ministère de la culture. Bon, en passant, vite déposé quand même projet dans le ministère de la culture. Copie pour information à la présidence, ce n'est pas premier ministre. Ça fait des semaines, on attend. Donc, pour venir à ce que vous avez dit en parlant, en citant Lumumba et autres, Lumumba nous avait demandé d'écrire l'histoire de notre pays. Oui. Mais c'est les autres qui écrivent à notre place. Mais sauf que bazo écrire ndenge zo arrange bango. Nanenga mabé en plus. Quand ils nous ont menti que Lumumba kimaki pour moi, kimaki pour moi. Ah, donc voilà. La vraie histoire n'a rien à voir avec ce que vous voilà par exemple. Oui. Par exemple, donc ce qui bisoma autre comme histoire, le seul les a que j'ai l'impression, je peux me tromper, que vraiment bah autorité na biso baza à part le président parce qu'il en parle. Baza peut-être na idée sur le cinéma et l'impact il y a cinéma à l'étranger. Moi, j'étais déçu lorsque Ndaka Mende, la mère Mende qui a attaqué Thierry Michel. Ouais, ouais. Alors, à l'époque, moi, j'avais déjà dit, mais pourquoi vous ne faites pas un centre de cinéma au Congo?
finalement, parce que sur Bassadero, on n'aura pas besoin d'aller demander à Thierry Michel de nous faire un film sur les FRDC. On peut nous-mêmes faire nos propres films, vendre notre rêve, vendre l'image du Congo, parce que voilà. Non, mais Christian, le problème, le problème, c'est que la télévision congolaise, il faut qu'elle achète le film. Il faut que la télévision congolaise achète le film. Sauf que, au tourner film, comme je l'ai dit, au Yéna, on a télévision, il faut encore payer pour ne pas diffuser le film. Non, mais les producteurs gagnent quoi? Les producteurs gagnent rien. Du coup, Azad dessus, pour la première fois, il peut avoir abandonné la sous terre. Aujourd'hui, avec ma plateforme, Webimilelo, il y a audiovisuel, avec YouTube, avec iTunes, avec tous ces, avec Netflix et tout ça, est-ce que ça favorise l'éclosion? Il y a mon doigt là, tout comme il est bloqué nous davantage. C'est un couteau à double tranchant. Dans quel sens? Na bateau au bazar à pouvoir d'achat, ça favorise. Na bateau au bazar à moins de pouvoir d'achat, ça ne favorise pas parce que vous êtes d'accord. N'anga yé mouta, on préfère acha, méga naïe pour n'akota WhatsApp, sur YouTube, qui attend la film. Et surtout qui est marché pirate, pèse à vraiment contribution, ça fait que. D'un côté, ça favorise, de l'autre, ça défavorise, quoi. Bah, tu as, native, vraiment, la RDC, ça défavorise. Il y a des. Quand on dit centre de cinéma, on voit matériel, on voit endroit, on voit cité, on voit tout ça, on voit, infrastructure, on a gnosso. Qui va faire tout ça? Est-ce l'État ou les privés? Les privés. Les privés, dans quel sens? Native matériel. Je ne sais pas pourquoi, chez Néa, sur ma matériel. C'est peut-être parce que l'État n'était pas organisé avant, mais tout ça, c'est lourd, Christian. Tout ça, c'est lourd. Donc, on prend les matos, et moyennant un paiement tous les mois, et ce qui est bien avec ce système, à tout le temps, on peut renouveler les matériels. Donc, il n'y a pas de miracle, c'est juste que si l'État nous met cette ordonnance-là, la structure est en place. Moi, je donne 3 ans. Peut-être pas égaler les Nigériens, mais tu aurais remonté pente. 5 ans, tu aurais égalé, voire tu aurais dépassé. Alors, maintenant, il faut que ça, on est dans la centre place Nini, par exemple. Place, c'est un problème. Bon, déjà, dans la capitale, c'est sûr. Mais place, c'est un problème vraiment. Le tournage, c'est déplacé. Ceux qui ont besoin de décor à Matadi, tu es dans Matadi. Ceux qui ont besoin de montagne, tu es dans Est. C'est long histoire à film. Mais aujourd'hui, ça évolue avec les plateaux. Avec les plateaux, on peut aussi, aussi, mais il y a aussi les réalisateurs ou les producteurs qui demandent du naturel. Okay. On va aller dans du naturel. Mais non, et puis après, est-ce qu'il ne faut pas un encadrement aussi, la formation des artistes? J'ai l'impression que les artistes congolais, c'est vrai, tout ça, il y a Kimingi qui artiste, qui art, il y a Makila. Mais art, Makila, il y a la limite, non? Et à un moment donné, ça demande vraiment de la formation. Justement, déjà, il y a l'INA qui forme et qui forme très bien. Moi-même, j'étais épaté. Ça forme très bien. Très bien, ça. J'ai travaillé avec. Comment je peux dire? Facial, tout ça, corpo. Ça va. Il y a une différence. Tu vas bokeh et les acteurs de cinéma. Ben, sont un thriller, ou reconnaître quelques têtes d'ici. Christian, il vous fait des trucs. Vraiment, ou tu as la bluffé parce que c'est vraiment des pros, il n'y a rien à dire. Côté technicien, zéro faute. En tant que technicien, je demandais peut-être le plan de nuit qu'on tournait à 15h. On me donnait le plan de nuit. Je demandais peut-être le plan de jour qu'on tournait à 23h. On me donnait le plan de jour. Je me suis dit, waouh. Donc, alors, ce qui veut dire qu'au Congo, sur le plan acteur, sur le plan technique, nous n'avons pas envié les autres. Non, pas du tout. Donc, ici, ça nous manque le moyen. C'est les moyens. Donc, moi, je demande au président Félix, ça, je ne dois pas mâcher les mots, je demande au président Félix, pourquoi au président? Parce que lui, au moins, il a cette idée de cinéma. Oui. Je demande qu'il nous mette une ordonnance en place, et le reste, poser une question, surtout yo, Christian, vous posez une question, peut-être, mais Chico, le bagui, maintenant, le centre est là, qu'est-ce que vous faites? Mais quel est l'avantage du cinéma dans un pays? C'est la promotion du pays. Et moi, partout où je passe, je parle avec le DG de IGC. IGC, c'est une chaîne de cinéma en France. Okay. Et je parle de la RDC, je lui dis, mais il y a la guerre là-bas. Je lui dis, non, mais s'il faut que je donne l'exemple, tout en à Paris, guerre des années de l'URSS. Donc, ça n'a rien à voir à Kinshasa, il n'y a pas la guerre. Il dit, non, mais moi, quand je mets la télé, RDC, il y a la guerre. Maintenant, c'est à nous, les Congolais, d'aller dire que non, la guerre, déjà, elle est en train de finir.
C'est vraiment très loin. Il y a Mbandaka, il y a Bandundu, il y a Kinshasa, il y a Bakongo. Voilà, voici province, la guerre ne se trouve que dans deux ou trois provinces. Les problèmes, sur, mais... sur le 26. Mais chez eux, la guerre, c'est RDC qui a la guerre. Mais c'est à nous maintenant de leur dire que non, RDC n'est pas égal à la guerre, parce qu'il y a la guerre dans un coin de l'Est, qui est en train de finir, mais la vie est ailleurs. La vie continue. On paye. Le projet, c'était quoi avec les PDG de IGC? C'était de créer une chaîne de... Une chaîne de salles de cinéma. Oui. On va montrer quel film. C'est toujours bien qu'un Congolais à Kena Cinéma, à l'hôtel à Christian Bossembe, par exemple, oui, jouer. Déjà, ça l'incite de venir, ça le motive. Mais on n'a pas beaucoup de films. Moi, j'ambitionnais quand j'étais jeune, tout jeune en tout cas, j'ambitionnais faire le cinéma. Mais puis après, je me suis découragé. Non, je me suis découragé, pas seulement ça, mais avec, et que ce soit avec l'âge, que ce soit avec certaines activités, mais aussi ce qui s'est passé sur le terrain. Je me disais, je finirai jamais comme ça, donc ça sert à rien, quoi. Non, mais le problème, c'est, déjà, c'est noble et art, hein. C'est un métier vraiment noble, mais c'est négligé ici. C'est négligé. Alors, mais pourquoi c'est négligé? J'ai toujours envie de savoir pourquoi c'est négligé. Est-ce l'ignorance? C'est l'ignorance. Mais ce sont les mêmes consommateurs de films. Aujourd'hui, toutes nos femmes, nos filles, ça consomme nos vélas. C'est des films. Mais, Christian, c'est là. Moi, quand je regarde, ça me frustre quelque part en tant que professionnel. Oui. Ça me frustre. Je me dis, mais pourquoi ils consomment nos vélas? Parce que nous, on leur propose rien. Rien, bien sûr. Mais quand on a à proposer, exemple, là, je discute avec un patron de chaîne d'ici. Mais les prix, Christian, je peux pas les dire à la télé, mais les prix qu'ils me donnent, je dois mettre ce prix-là en plus de ce que moi je produis un film. C'est hors de budget déjà. Mais lui, je comprends qu'il fait son affaire aussi, ce qui est normal. Il demande combien? Il te dit combien? Non, je dis pas, je dirais un homme. Non, je dis pas, oui. Je dirais un homme. Non, je l'ai sali là où il est, il va se reconnaître. Donc, c'est votre ami d'ailleurs, Maïs, là, il n'y a pas okay. À cacher. Donc, mais je ne dirais pas le prix, parce que peut-être les amis qui ont vu ça, peut-être les amis qui ont vu ça, donc ça, c'est pas... Mais, bah, toi, tu as la nouvelle, c'est parce que bah, tu as des bons films, et tu as Congolais. Mais est-ce que... Bon, alors, mais aussi, voilà, il y a un autre élément, il a équipé ma histoire. Je vous dis sincèrement, je n'ai jamais été séduit, bluffé par une histoire et un film bah, Congolais. Ça, au moins, il faut que je le dise. Que Hollandi Film, ça te berce, ça te pousse à rêver. Non, c'est presque jamais arrivé. Quelquefois, un autre film, la vie est belle, parfait. Les autres, quand de le bien, peut-être ma film sous-tend à Monaté. Bah, ça, là, mais Monaté, ça a qui popularité. Mais quand tu suis les films les Africains, les Sud-Africains aussi, ils n'ont pas de bonnes histoires, en tout cas. Mais si tu suis, par exemple, les films des Nigériens, bon, il y a Kala, il y a les notes, il y a les commandants, il y a Bassalam, bang, bang. Mais il y a Kala, il y a qui prennent dans l'histoire, du début jusqu'à la fin, tu sens qu'il y a une suite logique. Même chez vous, les Français aussi, il y a aussi des choses comme ça, on a dit que l'histoire est quand même là. Mais chez nous, pourquoi l'histoire est à Malunga, Penza, Mingite? Moyen, Christian. Non, mais. Moyen. C'est quoi, même pour l'histoire. Non, mais cette histoire-là, on la boucle dans deux jours. Peut-être. 48 heures, bah, c'est le film, 1h30. Oui. Ça. Et c'est tout et n'importe quoi. Un bon film, on peut faire 3 minutes par jour. Si on fait, sans compter les roches, hein, juste minute et côté un film, ouais. Vraiment fini, c'est 3 minutes par jour. Okay. Donc, moi j'ai fait le film au Talini extrait. On a tourné pendant 26 jours. Donc, 26 jours pour finir un film de 1h30. Ouais. C'est-à-dire, surtout qu'en matière et à diffusion, c'est 1h30 par jour dans une salle. Mais j'ai employé 24 techniciens chaque jour et on avait plus ou moins 7 à 8 comédiens, voire 10 comédiens chaque jour. Et c'est là dont on tient aujourd'hui un mois à tournage, parce qu'on ne travaille pas les dimanches. Donc, pour avoir 12 films, c'est une année de tournage. Donc, c'est une création d'emploi aussi quelque part. Bien sûr. Et les mêmes films, quand il va au cinéma, une salle de plus ou moins 100 personnes, tu reçois 5 emplois directs. Sans compter que Moutakabi Nagoya, Moutamapa Goya, Malewa Paroyoya, tout ça. Et ainsi de suite, c'est vraiment... Et c'est la vie qui tourne, en fait. C'est la vie qui tourne. Et en dehors du film, il y a des festivals. Et les festivals, il peut être le festival de Goma. Il y en a d'ailleurs, c'est pas qu'il n'y en a pas. Il y en a du Fikine, festival de Kinshasa, mais qui en parle? Qui connaît? Mais voilà le film, par exemple, américain.
sur du film en français. Ce que vous dites est fondamental, c'est une question de moyens. On engage des professeurs pour que Baya Kopé Sabino histoire, il y a Eloko Binombo le Belawana. Sur une question par exemple de médecine, on vient vous donner des enseignements, des babos dans le jargon. Il y a médecine, mais pas la vie sur, ah, on s'en médecin, mais. Il a un langage de bricoleur, en fait. Non, il vient bricoler, pourtant on peut. Christian, c'est vrai, il faut payer ces gens. Ça réside dans les moyens. Effectivement. Dans les moyens, parce que quand on joue le rôle de médecin, par exemple, quand on joue le moi j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui a joué ce rôle. Oui. Mais quand on joue le rôle de médecin, si on n'est pas médecin, c'est compliqué. On doit prendre les termes techniques, on doit vraiment consulter un médecin pour rentrer dans le personnage. Oui. Et tout ça, c'est les moyens. Parce que dans mon film, moi, je n'accuse personne. Mais j'ai vu un film en Congolais, franchement, papa m'a dit pilote. Mais depuis le film, pendant qu'il n'y a pas de pilote, il y a des pilotes. Ah, regarde, ma slogan. Non, mais tout ça, il y a un autre problème aussi. Oebi Nakine, ça même failli nous arriver. Bon, quand Christian prend la caméra, c'est Christian, hein, oui, oui. Tout le monde. Mais n'importe quelle équipe, il y a tournage, besoin de caméra, c'est le premier policier qui s'arrête. Oui, ça c'est vrai. Les policiers s'arrêtent, c'est des complications. Tandis que, sauf qu'il y en a France, aucun en France par exemple, donc dès que vous parlez tournage, déjà, il y a même, on peut vous réserver même des riz, on les bloque rien que, bah, tu sais pas, non, tournage de telle heure à telle heure sur telle avenue, à bloquer. Et vous payez rien. Mais. Non, ici chez nous, le président avait pris une décision. Batika, voilà même Kabila. Batika, Batouba, filmé, Batala, photo, partout, Bango Balingi, sauf dans un lieu stratégique. Mais maintenant, le problème, c'est que les policiers ont aussi un lieu stratégique. À comme si on est partout et comme un lieu stratégique. Na Baboumbou, lieu stratégique. Na Kim, na Komi, na Kim, Nti, na Kimbanseke, au lieu stratégique. Qu'est-ce qui est stratégique à Kimbanseke là-bas? Ah, Bino, papa, on dit ça, on dit, bon, oui, bien sûr. Non, mais c'est compliqué, il faut quand même en parler. Mais en même temps, toujours, mais aussi le moyen, c'est aussi le costume. Ça prend beaucoup de moyens. Ça prend, le cinéma, c'est l'argent, en fait. Les cinémas, c'est l'argent. Alors, quand l'État facilite, parce qu'il y a des organismes, où bah, vous jouez peut-être coproduction, mais si l'État ne facilite pas, quand vous sollicitez peut-être l'ambassade de France par institut français, mais quand je marque l'État français est partenaire, et l'État congolais, pardon, est partenaire dans ce projet, il faut bien avoir un peu. Non, si l'État est là, c'est-à-dire que c'est un bon projet. Mais quand on part avec des courriers rédigés là-bas français, il y a Molière, tout ça, ça reste sur la table, personne calcule. Quoi. Mais est-ce que le cinéma va aussi forcément appeler les assurances? Oui, oui. Parce que, oui, on a prévu un tournage aujourd'hui sans la pluie. Et les comédiens étaient venus pour tourner, les techniciens, il faut les payer. Et c'est là où l'assurance rentre en compte. Okay. Où les comédiens peuvent tomber malade pendant le tournage, ils peuvent se blesser. Pendant les tournages, c'est l'assurance qui paye. Mais c'est un marché qu'on amène, en fait. Donc, je pense que ceux qui sont dans le tournage, ça risque de poser problème. Est-ce que comment vous allez diversifier un film Labino, érotique dramatique, comment on appelle ça encore, suspense, horreur, tout ça. Est-ce que vous allez vous ouvrir directement comme ça, tout pour programmer la censure, la manini, comment vous allez vous organiser? Non, justement, quand on écrit un scénario, déjà, c'est là où on oriente les films. C'est une fiction, c'est une histoire vraie, c'est peut-être une adaptation, il y a un roman, donc... un reportage, ça partir déjà de l'écriture des scénarios, que oui, que je m'oriente dans tel domaine. Maintenant, quand ça arrive, c'est là aussi le rôle, il y a le Centre National de Cinéma, quand ça arrive, une fois que le film il est bouclé, ça arrive maintenant dans le centre, les centres ils regardent, est-ce que ce film, je peux l'adresser aux téléspectateurs de 18 ans, de 16 ans, de 12 ans, est-ce que c'est tout public, c'est ça aussi le rôle, il y a centre. Mais sinon, pour catégoriser un film, c'est à partir du scénario qu'on catégorise. Ok. Alors, je voudrais maintenant vous poser des questions techniques sur le cinéma pour que tout en aille bien, effectivement. Est-ce que tout ce que nous voyons dans les films est vrai? Non. Non, non. Tout n'est pas vrai. Hein? Tout n'est pas vrai, non. Il n'est pas bombardement, là, c'est pas vrai. Non, mais ce n'est pas bombardement, c'est pas vous fit. Non. Ok, mais tu vas, collision, mais tout quoi, là, c'est pas vrai. Si, il y a des vrais.
c'est fait par des cascadeurs. Ok. Il y a des vrais, c'est fait par des professionnels. Il y a ma cascade, ma boucanaga. Bah, sur Hollande, histoire, il y a Jackie Chang. Des fois, on arrêtait les tournages parce qu'à Boukani, lui, il faisait ses cascades lui-même. Mais dans beaucoup de films, Rambo, Schwarzenegger, tout ça, les cascadeurs, c'est des professionnels de cascades, en fait. Ok. Donc, c'est une autre industrie qui est. Donc, c'est une autre activité qui est. Voilà, annexe. Okay. Ah ouais, c'est une activité annexe, il y a cinéma. Ouais. Donc, c'est des gens qui sont là, ils s'entraînent tous les jours, qui est pour les cascades. Babou Kanaka, donc, il y a des fois, il y en a même. C'est aussi un emploi. Oui, c'est un emploi et ça paye très cher. Okay. Et tout ça, c'est budgétisé dans le film. Okay. Si on sait que c'est un film de millions, peut-être, de production américaine, il y a les cascades, il y a les bombardements, il y a tout ça. C'est comme les bombardements, par exemple. C'est des images comiques, c'est un montage. Bactère, bah, ça, l'action. Après, on bombarde le même décor. Maintenant, au niveau de montage, on mixe le dé. Au moment où il va bombarder, il va sauter, tout ça. Mais c'est pas vrai. Bon, Massas. Massas, il y a plusieurs façons de remonter. Là, tout ça, ça se passe maintenant dans la post-production. OK. Ça se passe dans la post-production. C'est, bon, je peux pas tout dire non plus pour le laisser un peu ces mythes-là. Toc, toc, toc. Oui, oui. C'est deux images, voire trois images. OK. Sauf que l'œil peut pas capter à moins de, cette image, là, il ne capte pas, en fait. Ouais. C'est tout ça, c'est cinéma, c'est ça du cinéma, en fait. Mais, alors, est-ce que toutes les scènes érotiques sont vraies? Non. Les gens se déshabillent pas? Non, non. Si. Ah oui. Du côté, c'est déshabillé, les gens se déshabillent. Vous allez vous déshabiller aussi? S'il arrive un personnage demain, oui. Qu'est-ce que vous allez dire à votre femme? Qu'est-ce que je vais dire? Mais ma femme connaît mon travail. Elle sait que tu vas te déshabiller là-bas. Si, les scénarios, déjà. Ouais, si, comme j'ai dit, c'est les scénarios. C'est comme tous les acteurs, on envoie les scénarios. Ouais, j'ai vu Jackie, lui. Moi j'ai vu Jackie nu. Est-ce que c'est lui ou c'est un cascadeur? Mais il y a aussi des cascadeurs aussi. Il y a aussi des doublages, en fait. Là, c'est pas un cascadeur, mais c'est un doublage. Ouais, moi, je préférerais un doublage. Si, il y a aussi les doublages. Okay. Mais Rambo, plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Lui, il aime ça. Il y a Jean-Claude Van Damme. C'est pas question d'aimer ou ne pas aimer. Ouais. C'est peut-être l'histoire. L'histoire était intéressante. Maintenant, dans l'histoire, à un moment, il faut aux à la nuit. Ouais. Maintenant, c'est Yom Tolu Bokaché, n'avez-vous pas un million, aux à la nuit. Non, on a aux à la nuit, bon, oui, soit aux à la nuit, producteur, bon, là, moi, je dois payer le doublage, oui, on baisse le cachet. Ouais. Donc, ça marche comme mais ça. Quand ils font l'amour pour de vrai, ou c'est non, jamais. Donc, même tout ce qu'on voit là, c'est. Non, jamais, on s'immile, Non. On ne peut pas faire pour du vrai, parce que derrière la scène qui est. Oui, il y a beaucoup de gens. Souvent, la scène intime, c'est une équipe réduite. Oui. Ceux qui sont techniciens, ils sont basés, ils sont plus sécurisés. Bon, le réalisateur, ils sont moniteurs. Ça reste peut-être 4 ou 5 personnes au bazar à Simao, aux monades. Donc, c'est pour faire du vrai. Parce que, il y a, comme. Comment on appelle cette dame elle est américaine, Angela. Angelina Jolie. Mais donc c'est pas vrai ce qu'elle fait. Non, Angela, il y a beaucoup de doublages. Beaucoup de doublages. Mais dans ce doublage-là, c'est vrai. Oui. C'est une comédienne payée pour ça. Mais l'acte n'est pas vrai. Même dans les doublages, l'acte n'est pas vrai. Ok. Il y a des fois, bah, tournage est souvent dans le tribunal parce que l'acteur a failli ou l'actrice a senti qu'il y a eu des tentatives, tout ça. Non, là, on signe des papiers avant. Oh, d'accord. Mais est-ce que vous allez amener ça à Kino aussi? Mais si les personnages demandent ça, mais il y a aussi question maintenant des mers. Oui, c'est Moussala, c'est quoi? Il y a centre, c'est qu'on demande au gouvernement congolais. Mais vous n'allez pas non plus être un centre, il y a censure finalement, parce qu'il faut laisser les gens rêver pas, aussi. Pas spécialement. Oui. Il y a des films qu'on peut diffuser qui à partir de 22h, parce qu'on s'adresse à un public adulte. Oui. Il y a des films tout public, et donc c'est ça aussi le Moussala, il y a les gendarmes qu'on demande de mettre en place. Ces gendarmes, c'est aussi important, ce que je dois dire, Netty Festival. Christian, festival à cinéma, admettons, tu tiens à l'hôtel Pullman, par exemple. Mais c'est tout le monde qui vient. Ouais. Quand tout ce monde arrive, c'est les hôtels, c'est les restaurants, c'est le tourisme, c'est tout ça, ça ramène des devises dans le pays. Mais Netty, par exemple, un film au Sali, au Zobunda. J'ai vu ton combat de boxe. Il faut apprendre la boxe. J'étais boxeur. Professionnel. Yo, personnellement, oui. La vie non normale. Oui, oui. Ah, voilà. Voilà pourquoi ça y est. Si, ce rôle-là, c'est qu'un boxeur peut le faire. Pourquoi? Parce que, quand on tourne un film, on rentre dans les personnages.
Sauf que vous avez boxeur, pour rentrer dans le personnage, il faut peut-être 6 mois de préparation, voire une année. Et ça prend du temps du film. Ça prend du temps. Non, non, là, c'est dans les clauses, il y a contrat. Okay. On dit, maintenant, yo, sollicité pour nous répondre dans un rôle ou un. Maintenant, la condition, c'est être boxeur. Maintenant, c'est il y a une condition et abandon. Ah, ce n'est pas le producteur qui te paye la formation. Non. D'accord. Producteur, sauf si c'est dans une producteur aligné Van Damme à jouer boxeur. Van Damme a déjà la notion à boxe. Mm. Maintenant, il doit se mettre dans une. Dans quoi boxeur? Comme c'est passé avec Will Smith, il fallait qu'il rentre dans la peau de Ali. Voilà, par exemple. Il fallait qu'il rentre. Donc, il s'est entraîné à la boxe pendant un moment pour répondre à un personnage. Alors. Quand le producteur veut changer, par exemple, moi, forme et acteur, c'est lui qui paye, non? Là, c'est lui qui paye. On a besoin qu'au Konda, aux Amens, aux la film, par exemple, au la cancer, il faut donner l'impression que tu es vraiment cancéreux, Basuki Longwa, tout ça. Ça, c'est lui qui paye. Il y a aussi le maquillage. Je suis honnête, il y a Basuki, il y a des maquillages, maquilleur, Rosalake, Basuki Longwa, chef d'éco, Salatouke, enfin, maquilleur. Mais. Quand il faut baisser les détails, par exemple, là, c'est, on peut commencer un tournage cette année pour le finir l'année prochaine. Mais alors, Chico, est-ce que nous sommes prêts? Le Congo est-il prêt à affronter ce monde réel-là? Plus que prêt. Plus que prêt, dans quel sens? Les techniciens, ils sont là. Les comédiens n'en parlent même pas. Ma comédien, quand il y a ma bouquet, voilà, tout le monde. Non, au moment où il y a ma bouquet, ils ne sont pas aussi mauvais que ça. Maintenant, c'est ce que les réalisateurs demandent. Parce qu'un bon comédien a répondre à la demande des réalisateurs. Mais, ce n'est pas le fait de tenir la caméra que ça y est, on devient caméraman. Ouais. Ce n'est pas le fait d'assister à 2-3 tournages comme réalisateur, non. Donc, c'est rare, gars, il y a un surtout que grand frère a tenu la caméra, n'a pas comme réalisateur, comme producteur, comme producteur même. Ouais. Mais, non. C'est des métiers, en fait. J'ai vu l'histoire, il y a un américain, par exemple. Ils vont vous dire que, bon, vous connaissez ça parce que Otikuna, ils vont te dire, bah, tant qu'il y a une université, il y a comédie, il y a art dramatique. Bah, tant qu'il y a une université, il y a boule. Est-ce que c'est, il y a un des Ina Nabusso? Si, si. Donc, on peut non, non, faire il y a Ina ça. Déjà, Ina forme et tout ça. Il y a un gros Ina Nabusso. Ina, je pense qu'on est le seul peut-être d'Afrique centrale. Bien sûr. On est le seul d'Afrique centrale. Et bah, technicien, on a Ina, ils font quoi? Rien du tout, comment on va commerçant, comment on va domaine, mais c'est les fêtes. Je suis venu à la maison, je suis passé dans la vie de la vie de Brende, on a joué dans le film, la vie de la vie de Kwedi. Je suis venu dans un premier temps, on attend, mais est-ce qu'il y a un scénario? Il n'y a pas de problème, c'est fait pour, on a passé sur lui, mais le vieux est venu me chercher le lendemain. Il est venu me chercher les lendemains, il m'a dit, non, je lis, c'est intéressant, mais honnêtement, je n'étais pas à mesure à foutre un cachet naïf. Les cachets que je respecte d'ailleurs, parce que talent, il y a Oyaza Nango, donc déjà, ce qu'il me demandait, c'était pas aussi que Oyopitanga, il n'a pas payé la Yazu. Mais je n'étais pas à mesure de payer cette somme. Ok, je vois. Mais pourquoi vous ne faites pas un centre de formation? Pour le bateau, on dit, il y a des gens qui ne peuvent pas aller naïna. Ils n'ont pas les moyens de se payer les frais naïna. Mais ils ont cet art-là inné. Est-ce qu'il y a un professionnalisme dans la langue? Est-ce que tu ne peux pas créer un centre, ne serait-ce que de récupération ou de mise à niveau, pour que celui qui ambitionne faire le cinéma, à Koya et Pachiko, au formé, au tien à moins niveau, à Bandico tourner à Tamondambou, et le peu de moyens qu'il aura, il peut lui-même aller peut-être s'instruire après. Mais dans le centre national de cinéma, c'est en fait, dedans, on aura la production, la distribution, l'écriture des scénarios, la post-production, la formation, tout sera dedans. Mm. Hein, tout c'est, et alors quoi, ensemble, tout ce qu'on appelle cinéma. Et pour les salles de cinéma et pour la télévision. Donc, le chef de l'État n'a qu'à signer une ordonnance. Une ordonnance, on demande pas l'argent. L'argent ici, Christian. Mm. Les Chinois arrivent, les Européens, tout le monde d'ailleurs. Aïe a posé la valise, n'aïe bandit au travailler, l'oblé de mon bengé boss. Mais qu'est-ce qui manque à nous-mêmes Congolais? Parce que moi, j'amène l'idée. Derrière moi, il y a les techniciens, il y a les comédiens. Maintenant, si le gouvernement nous aide, on met ça en place. Et l'argent est où ta vie? Est-ce que vous n'irez pas dans les conflits, Chikolinga, Aksanini, Yada Patron, Abisote, Bisson de Zabo? Parce qu'au Congo, vous avez des guerres de leadership pour rien, parfois, hein? Oui.
Oui, à Monique, déjà, je ne vois pas tromper. C'est un technicien de cinéma comme tout autre. La différence, c'est que peut-être que j'ai l'occasion de ne pas Christian. Mais dans l'idée de création des centres, c'est un truc de l'État. Nous, on amène la technicité. On amène la technicité pour enfin que ce cinéma congolais, qu'on puisse le voir dans le monde. Et le marché maintenant, comment vous allez contrôler les marchés? Ah ben les marchés, on les crée. Et c'est toujours le centre national qui crée les marchés. Comment ils créent les marchés? Quand on a nos films à nous, on va aussi faire appel aux films des autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, festival de cinéma de Kinshasa, de la RDC. Année autocélé, on peut être Nakin, année prochaine en Bandaka, année où il y a dans Mbujimaïque, Lubumbashi, ainsi de suite. Et ces marchés-là, c'est peut-être tous les deux mois, festival de Kinshasa, festival de Bukavu, festival de Mbandaka, festival, ainsi de suite. Et c'est là le marché, et c'est là aussi, bah, télévision du monde arrive pour acheter des films. Il faut que nos chaînes de télévision achètent des films. Parce que, admettons que l'État, a signé ou décret loi, c'est un ministre qui peut signer ça, que chaque chaîne de télévision ait accès à un film congolais par jour. Christian, mais on aura plein de films. Bah, techniciens, ils auront un travail à faire. Parce que non seulement les chaînes vont diviser nos films, et parce que les chaînes peuvent produire aussi. Beaucoup produire films. Bien sûr. Beaucoup produire films. Vous avez les matos, il y a juste à embaucher les comédiens, parce que les techniciens sont là, et vous faites un film, et chaque jour, il y a un film congolais qui passe. Ok. Mais est-ce qu'il y a des impôts et des taxes que l'État peut gagner dans la production d'un film? Mais oui, moi, je prendrai l'exemple de la France, c'est là où je réside. Un ticket de cinéma qui coûte, admettons, 7 à 8 euros. Mais l'argent qui reste dans le producteur et le film, c'est peut-être 1 euro. C'est peut-être 1 euro, tout va dans les charges et les taxes. C'est là où l'État le récupère. Si l'État investit, c'est pour récupérer. Oui. C'est l'État, les salles payent des taxes, les chaînes de télé payent des taxes, c'est là où l'État récupère l'argent. L'État subventionne, mais c'est après récupérer n'a pas taxes de gauche à droite. Aujourd'hui, le cachet peut être estimé à combien? Ça dépend. Ça dépend dans quel sens. Là aussi, il y a un souci. Tu veux avoir une idée que non, non. Caché, avant tournage. Okay. Avant tournage, il y a une terre, que non. Et je propose, admettons, toujours à Kaya Yakin, le plus cher qu'on a payé, ça, je dois être honnête de le dire, c'était quand même 800 dollars. Okay. L'actrice a dit non, moi je vais 1500. Oh. Si vous tournez, parce que c'est quelqu'un qui tournait déjà, qui avait quand même. Un CV bien bombé dans les cinémas. On n'a pas ça. On n'a pas ça à vous donner. On a négocié, tu as 800. Il y en a où Batoucha qui paye 400, il y en a où Batoucha qui. Le pour le ça, c'est 800 pour le film. Pour le film. Ok. Maintenant, admettons, le film est marché cartonné. Elle n'a plus rien à voir. Elle, c'est fini. Non, parce qu'elle a eu. Elle a eu son cachet, c'est fini, terminé. Et si elle discute en termes de pourcentage? C'est aussi une option. D'accord. C'est aussi une option qu'on avait proposée d'ailleurs, que connaissant les barbares, aussi la narration. C'est aussi une option, et ça se passe souvent à des grosses productions. Acteur ou actrice, comment peut-être, je vais autant, le reste en pourcentage. C'est que quand même, c'est garanti qu'il va se retrouver. Moi, je vous soutiens totalement sur la question du cinéma, et j'estime que le chef de l'État ferait mieux d'avoir ça. Mais la question, c'est comment cela va s'encadrer. Si déjà le ministère de la Culture échoue lamentablement sur la musique, sur l'art graphique, alors je me dis, est-ce que ajouter le cinéma à Rukukayango, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une commission, comme aujourd'hui tout est centralisé au la présidence, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça la présidence de la République? Comme ça, vous avez un œil. Vous savez, regardez, parce que vous quel rôle le ministère de l'Agriculture, qui est dépassé déjà dans Mambouza sur place, je me dis comment ça va se passer. Mais, Bah, ceci est Bissot, comme j'ai dit, on a la technicité, et ils ont le pouvoir, mais ensemble, on va trouver quelque chose d'autre que, comme on dit, qui va se regarder. Peut-être, ceci est Bissot, dans le domaine Wana spécifique, hein, je ne dis pas, je ne rentre pas dans d'autres domaines, dans le domaine, il y a cinéma. J'aime Néomonie na boxeur na linga ba challenge. J'aime que peut-être un mois, deux mois après, Christian me pose la question, mais Chigo, y a qui a ou le bien sûr bouillé, on en est où?
Bah, na défi. On va montrer de quoi on est capable. Moi, je dis que 3 ans, on peut égaler les Ivoiriens, les Sud-Africains. Peut-être même 3 ans, on peut égaler les Nigériens, parce que c'est le moyen, Christian. Cinéma, c'est l'argent. Ça, c'est, on ne doit pas se valer la face. C'est l'argent. Maintenant, pour la battre un bon, on peut naquiner le bazar, il belé. Mais pour la sigo battre un bon, on a bon, il faut bailler baguer. Bon, on va se faire. Donc, le problème, il est là. Quel est le cinéma qui, l'industrie cinéma la plus riche au monde aujourd'hui? Ah, mais c'est les Américains, c'est Hollywood. Forcément. Ah, ouais, c'est Hollywood. Mais généralement, on a pas entendu, Coréen, comment il y a ma casse? Coréen, Zoya, Nani, Indien. Oui. Indien, Zoya, parce que la différence, Inde, les cachets sont pas aussi exorbitants qu'aux États-Unis. Mais, c'est même, tu vois, pour copier exemple, Indien, les films indiens sont d'abord consommés chez eux. Ils ont une popularité. Ils ont une popularité. Mais nous, on a, bon. Nous, on a aussi. Il y a quand même une popularité. On paie. Déjà, avec les 12, tu dis qu'à 12 millions d'habitants. Déjà, si habitants mourra sommi, il y a tel film à 1 dollar. Mais il y a 12 millions de dollars, ça peut marcher. Vigue, ce n'est pas encore le cas, mais il faut déjà que l'Axavatouke, il y a des films congolais, il y a bien au Badouarota. Et puis, ma chaîne, il y a télévision, ma somme va film. Est-ce que le cinéma asiatique est aussi important? Il est aussi puissant. Je veux dire, chinois. Japonais. Chinois est baissé un peu, voire japonais, mais on a eu tout à l'heure un film à Bruce Lee, bien que c'était américain, hein, c'était pas aussi chinois que Bazaroula Xavisso, mais là, Namikolo, vraiment, je pense que ça a plus la baisse. C'est les Indiens qui montent. Et les Coréens aussi un peu. Les Coréens aussi, ils montent. Okay. Ouais. Alors, mais aujourd'hui, est-ce que l'Afrique, qui sont en tête? Nigeria. Nigeria, en Afrique, tu vois, Nigeria, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, et puis Burkina Faso. Ok. Namoni Sénégal peut venir qui dans ma film va serrer dans mon. Oui, mais pas au niveau il y a pas au niveau Côte d'Ivoire des Omates. Ok. Côte d'Ivoire peut-être ceux qui va continuer à lancer on a beaucoup égalé bah Nigeria. Mais maintenant Nigeria c'est au moins la culture anglo-saxon c'est l'argent. Ouais. Nigeria ils mettent déjà en Afrique bah on peut faire un bon. Et j'ai des amis distributeurs français qui sont en contact avec les producteurs nigériens, mais c'est Nigeria, Zobi Michelo, des films et des films par an. Qu'est-ce que le Nigeria fait exactement, concrètement, pour toi, Zana Top? Déjà, par nombre de films, ils ont tourné. Ça tourne tous les jours. Et c'est de grosses productions. Ils en ont beaucoup là-bas. J'ai un documentaire, mais à l'occasion, on a repassé en haut. Vous allez même mieux, on a repassé un documentaire. On a aussi Nenge Babanda et ceux qui sont aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas un seul pays où on a filmé le Nigeria. Azate. Et c'est pourquoi ils ont toujours des beaux décors et tout ça. Mais c'est le moyen que vous voulez. Oui, oui. C'est quand les gens ont créé un centre de cinéma, centre national de cinéma. Et les décors, c'est l'argent. C'est comme Nigeria, villa pour un tournage. C'est même c'est vraiment là où passé on est documentaire comme ça au tala, décor. 1 mois, 2 mois, que pour un tournage. Les décors, c'est vraiment des villas. Il y a très, très luxueux. Et c'est ça que, tant vraiment, vous êtes à la film, alors, rêver qu'au côté de la Mondouana, ça, mais quand vous mettez à côté les Maboké, tout ça, il n'y a pas photo. Oui. Et puis, on va terminer avec ça. Il y a aussi la question des cachets, la question du contrat, la question de. Parce que vous, boss, il y a cinéma, vous abusez un peu des gens selon ce qu'on vous accuse. Bon, abuser à la jeune fille, bon, abuser à la garçon, je veux dire, talent, au royaume, bon, on travaille, c'est moutou, et puis à la fin, on peut se monter, ou bien on travaille, c'est, on peut se monter en dambou, si c'est une femme, il faut opération canapé, il doit d'abord coucher avec toi, et tout le reste. Est-ce que, na cinéma, voilà, la centre national de cinéma, voilà, vous allez encadrer toutes ces choses pour qu'il va traverser à la tête? Parce que, parents, moussou, bon, t'in, na bah, on va se la peine à cinéma. Il y a des gens, comme Netanga, par exemple, ceux qui n'avaient qui détourner dans les médias, n'a pas la peine acteur déjà. Lélo peut-être donc tu as déjà la salle déjà. Peut-être. Oui, peut-être, mais bon. Alors, est-ce que. Mais on en attend, oui, que c'est pas perdu. C'est vrai, hein? Non, c'est pas perdu. Ça, non, on en attend. Alors, explique-moi un peu comment vous allez faire pour encadrer tout ça. Bon, ça, l'année. Mais justement, ça manque pas. Même dans les pays les plus développés, ouais, bah, des rapages, il y a même un scandale avec un producteur, le gars qui, je crois, il y a 2 ou 3 ans passés, aux États-Unis même. C'est vraiment pire. Ce producteur-là, ça fait que l'État, mais quand il organisait un peu ce domaine.
Mais il y a aussi, bon, moi j'aime bien me dire technicien. J'aime bien être plus technicien que producteur, j'aime bien être technicien. Ça dépend de la personne aussi. Ça dépend de la personne. Et il y en a qui abusent du pouvoir. Pouvoir de dire oui ou non pour faire un peu des excès, mais jusque-là, on prie Dieu pour qu'il nous garde dans la position où on est, c'est-à-dire vraiment d'être professionnel plus que autre. Mais problème pour les apébactères, surtout bactrices. Surtout bactrices qui veut, qui tient à avoir ces, ces rôles-là et puis se livre à n'importe quoi. Donc, c'est ça. Mais problème, c'est quoi, il y a Romela. Problème, il y a Romela. Ah, finalement, il y a Romela. Parce que les gens pensent que l'eau, la vie est belle et l'exercice est l'eau. Il faut foutre un acteur. Foutre à papa ou Mbatchelé. Non. Ouais. Papa et Mbatchelé, ils sont cachés, c'est tout. Et c'est fini. Mais l'argent qui continue à engendrer le film, c'est au producteur. Mais le film ne continue pas. Le producteur a vendu le film. Mais est-ce qu'il a vendu comment? Il a vendu l'œuvre. Est-ce qu'il a vendu le nombre de diffusions? Est-ce que c'est tout ça, ils ont la négociation. C'est pourquoi il faut étudier ces dossiers. Oui. Donc, ceux qui producteurs à Tegui œuvre et commis propriété à chaîne. Et comme une propriété à la chaîne du fils quand elle veut. Donc, vous en souvenez, vous voyez, ceux qui producteurs à Tegui en 6 mois. Dans 6 mois, chaîne, il faut maximiser, bon, on a bon. 6 mois, zone ici, est vrai, où il n'a plus les droits de diffuser. Mais, ah, ouais, t'as là-bas, film, je là, on a grand écran, où t'as là, on a TV, je me demande si la télé a payé. Non, pas du tout. Donc, mais justement, maintenant, c'est là où nous sommes toujours discrédités dans le monde. Et on passe pour un pays des malhonnêtes, pour un pays des, parce que, le producteur regarde que bon, on va engager un procès. On va poursuivre les chaînes, on a peut-être. Ils ont beaucoup plus cher qu'à opérer. Ouais. Mais Christian, ça arrivera. Ça arrivera qu'il va nous poursuivre, bon, et puis beaucoup de chaînes vont engager. Nous attendons que ces choses-là arrivent. Merci beaucoup, Chikonga. Je rappelle que vous êtes réalisateur des films. Ça fait 19 ans. Vous êtes ancien boxeur. Ancien boxeur. Je suis fatigué, mais. Ancien boxeur professionnel. Ouais. Ok. Aujourd'hui, vous avez tourné, vous êtes en train de tourner un film qui s'appelle Beaumaillé. Tout à fait. Qui va sortir dans peu de temps. Moi, j'ai vu le teaser, mais il est très bien. Solo. Nokishiko, Beaumaillé, tout ça. Alors, mais ce qui est vrai, c'est que, est-ce que RTNC, vous foutez à chez Gossomba Chenwana? Et au somme, pardon, film, voilà, est-ce que les Canada, Babalouni, Bruxelles, tout ça, expulsion, donc c'est le moment rapide. On a souvent un problème, il y a un distributeur. Ceux qui retiennent ça sont bien, les Canada retiennent ça. Parce que les bits, c'était dans le cinéma. Dans le cinéma, on a deux, trois salles, là, ouais. Et dans le cinéma, ceux qui retiennent ça sont bien, pourquoi pas. Ceux qui Congo baisent ça sont bien, pourquoi pas. Ouais. Donc. Vous avez combien de films? Prix hein. Non, mais ça. Pas ici. Ça, non, ça, on dira. Alors, on va se lever pour terminer cette émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Je suis convaincu que Toruluka Mécanisme va continuer à accompagner Bino, la logique de Bino, parce qu'on a tous besoin de voir un bon cinéma. Moi, j'ai besoin qu'il y ait un réseau solo, il y a Est à République, par Chico, par exemple, par groupe Nayo, par équipe Nayo, par tout ça, on aura besoin vraiment. Alors, vous avez donné les numéros de contact, mais aussi un mot. Pour l'autorité la Bisson, pour le ministre de l'Agriculture, pourquoi pas à l'Assemblée nationale ouais. Député, porter dossier voilà, jusqu'au point de conduire le chef de l'État à prendre une ordonnance. Donc je demande à notre gouvernement, au président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Culture, de nous aider à créer ce centre qui va promouvoir la RDC, qui va changer un peu l'image de la RDC par rapport à. Par rapport au monde, parce que RDC dans le monde, c'est la guerre, en fait. Tout le monde, l'image, c'est un pays comme un autre, c'est un pays qui, demain ou après demain, tu vois, à la même locomotive, il y a l'Afrique, pourquoi pas le monde. Très bien. Mesdames, alors le contact, on vous appelle par quel numéro? Il passe par Christian Bossembe, je préfère. Mesdames et messieurs, merci, hein, merci d'avoir été nombreux. Moi, j'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Les parfums du Gore, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Borozov, Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82
24 54 248. Les parfums d'Igor. N'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Guinée aux hommes, Zizoubi noir, Daïmada, Chino, Tuenele, Nakinia, Panapiko. Loye Mbolo Nende Yali Sanga.